Et après, tu dis que tu as donné 100 000, que ma mère te harcelait. Tu as donné 100 000 francs à ma mère. Parce que tu as vu le diamant bleu. Elle est allée au Cameroun, elle a offert un cadeau à ma maman. Tu as aussi montré aux internets que tu as donné 100 000. Ce n'est pas la première fois que le diamant bleu offre le cadeau à ma mère. Ce n'est pas la première fois hein, qu'elle offre le cadeau à ma mère. Tu veux faire croire aux internautes que tu as donné 100 000 francs à ma mère. Je viens aujourd'hui mettre Facebook à témoin. Parce que moi, les mères Facebook, je ne t'ai jamais manqué le respect. Le dire que tu vas écouter de ta propre fille qui t'insulte. Je vais mettre Facebook à témoin. Je ne t'ai jamais manqué le respect. Jamais. Même parler mal de toi. Jamais. Même quand tu me réprimandes en plein là, je ferme ma bouche. Ce n'est pas que j'ai peur, c'est parce que ce n'est pas respect. Parce que j'ai reçu une éducation de ma feu grand-mère. Qu'il faut apprendre à respecter les gens, surtout quand quelqu'un t'a tendu la main. Non. Depuis que je suis rentrée, tu me réprimandes, tu m'insultes, tu me dénigres. Je reste tranquille, je ne dis rien. C'est parce que j'ai peur, parce que je respecte les aînés. Tu dis que tu as donné 100 000 francs à ma mère. Parce que les gens, quand quelqu'un donne l'argent à ma mère m'appelle et me dit. Je l'ai appelée, elle m'a dit, tu n'as jamais donné 100 000. Comment une grande dame comme toi peut mentir? Tu n'as jamais donné 100 000. Si je mens, si je mens, mets Orange Money ou Western Union ou RIA, tout ce que tu peux dire, mets ça sur Facebook. Comment tu peux venir mentir sur une maman qui vit encore? Qui vit encore? Est-ce que toi, tu peux accepter qu'on mente sur ta propre mère? Tu ne peux pas accepter. Quand tu parles des audios, qui est sorti sur la toile. C'est normal qu'une fille et sa mère peuvent avoir les petits bics. Mais celle qui au Cameroun t'a insulté, que les gens vont écouter comment elle t'a insulté. Mais tu l'as pardonné, non? Pourquoi c'est pour moi tu es venu me tuer? Pourquoi pour moi tu es venu m'exposer pour qu'on me tue sur la toile? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je n'ai pas à comprendre ce que moi je t'ai fait. Les gens ont vu comment cette fille t'a insulté, t'a dénigré sur la toile. Mais tu l'as pardonné. Aujourd'hui, tu es avec elle. Tu l'appelles ta fille chou. Malgré même qu'elle insulte le diamant bleu depuis 8 mois, qu'elle insulte le diamant bleu depuis 8 mois, tu es incapable de la réprimander. Mais tu l'as encouragée de décrypter les lives. Est-ce que moi, Nicole, t'as manqué le respect sur Facebook? T'as jamais manqué le respect. Malgré tout ce que tu fais, t'as manqué le respect. Nous allons écouter comment cette fille t'insulte. Mais tu l'as embrassée aujourd'hui. Est-ce que moi, j'ai déjà fait? Est-ce que moi, t'as manqué le respect un jour? J'ai jamais manqué le respect un jour. Pourquoi tu le fais? Tu m'as dit que non, j'ai pleuré. Mais c'est normal sur Facebook. Quand tu rencontres les mamans sur la toile, il peut y avoir des déceptions. C'est pas que j'ai pleuré, j'ai pas pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai un enfant de 4 ans. Aller parler de moi dans les directs à 2 h du matin, je suis une bantou. On ne connaît pas, on ne connaît qui est dans le direct à 2 h. Parce que c'était pas la première fois que la dame là part dans les directs à 2 h parler de moi. C'était normal que je sorte pour expliquer mon ras-le-bol. Même toi-même. Tu as pleuré en plein live pour ton argent. Tu as pleuré en plein live parce que tu as donné l'argent à Petit Pays, il n'est pas venu. Tout le monde peut avoir un esprit de faiblesse. Pourquoi tu vas prendre ça aujourd'hui pour te moquer de moi? Ce n'est pas normal. Je ne sais pas ce que je te dois. Tu dis que non, je suis beau. Je peux aller me former dans les champs. Que l'Italie, mais l'Italie, c'est l'héros. Tu dis dans ton direct que non, qu'il y a une dame aux États-Unis qui m'avait appelé. Pour me donner l'argent, mais est-ce que je vais être obligé de prendre l'argent de tout le monde? Est-ce que je suis obligé de prendre l'argent de tout le monde? Non. Je suis pas obligé de prendre l'argent de tout le monde. Ça fait un problème. Et tu dis encore tu dis dans ton direct que ce chose qui est curieux, c'est que tu dis que moi, je suis manipulatrice. Mais tu appelles Croti Crota, ta belle c'est chou, parce qu'elle insulte au compresseur. Entre nous qui est manipulatrice. Tu veux réunir Essola avec Kento parce qu'ils sont en désaccord. Il faut qu'ils s'associent pour insulter le diamant bleu. Qui est manipulatrice? Nous avons toutes vu ici sur la toile. Quand ta fille au Cameroun insultait le diamant bleu, tu étais en contact avec elle. Tu as invité l'ex de maman Pépé chez toi. Mais le maman Pépé n'était pas au courant. Mais elle est venue te couvrir. Mais qui est manipulatrice? C'est ça qui vient de nous dire. Il faut que tu mets les audios de la troisième personne. Quand je causais avec maman Pépé. Tu as dit que quand j'appelais maman Pépé et moi, on parlait de toi. Il y avait une troisième personne qui enregistrait. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que je t'ai fait, bon sang? Je n'avais pas à comprendre ce que moi je t'ai fait. Je n'avais pas à comprendre qu'est-ce que je t'ai fait.
Je t'ai jamais manqué le respect. Rien. Rien. Est-ce que tu as appelé un jour pour te dire que j'ai faim? Jamais. Dis jamais appelé un jour pour te dire que j'ai faim. Jamais tu as appelé pour te dire que j'ai faim. Jamais. Est-ce que tu as manqué le respect un jour? Pourquoi tu veux dénigrer? Pourquoi tu veux détruire mon blog? Une pauvre fille comme ça. Regarde-toi, une grande star. Tu descends à mon niveau. Jusqu'à tu dis que tu vas déposer les audios de ma mère, tu vas finir avec moi. N'importe qui va prendre sa route. Est-ce que toi et moi, on était amis un jour? On n'était pas amis. On est blogueuse de la toile. Et là, comment tu peux descendre à mon niveau? Tu veux ternir mon image? J'ai quelle image? Tu veux dire que tu vas finir avec moi? Tu veux finir avec quoi? Je gagne quoi? Et il y a quoi dans Facebook que je vais gagner? Quand tu me dis que non, je vais aller, il faut que j'aille travailler, je dois aller prendre mon enfant pour aller à la. C'est fait, c'est quoi? Je ne comprends pas. Je n'avais pas compris ça jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes haineux. Tes abeilles sont les haineux. Hein? Je me suis séparée avec vous. J'ai pris mon côté. Est-ce que c'est obligé que je dois aller, que je suis obligé de faire la part avec pipi? Je ne suis pas obligé de faire la part avec pipi. Je ne suis pas obligé. Vous ne commandez personne sur la toile. C'est ma connexion. C'est moi, c'est mon téléphone. J'avais décidé de me faire les directs, parler de mon boza. Mais les circonstances de la vie sont arrivées, mais j'ai décidé de soutenir. Quand tu étais harcelé par ces gens avec qui tu es aujourd'hui, aujourd'hui, c'est mon merci que tu veux finir avec ma vie. Tu as pensé à mon âme, tu as pensé à ma famille. Je ne vends pas le piment en Europe. Je n'accroche pas ma main. Je ma vie, c'est mollo, mollo. Je ne cours pas après la gloire. Tu dis que non, mon mari est parti. Tu dis que mon mari est parti. Tu dis que mon mari est parti. Que je vis à l'église. Si je vis à l'église, c'est un péché. Ce n'est pas un péché, c'est une gloire, c'est une grâce. La vie, c'est un éternel recommencement. Flore, quand toi tu es arrivé en Europe, est-ce que tu as eu la maison le même jour? Toi-même, tu as souffert pour être où tu es aujourd'hui, non? Peut-être moi, c'est mon cas. Peut-être quand je suis arrivé en Europe, j'ai tellement croisé le père de Marie, j'ai accouché mon enfant. Mais aujourd'hui, est-ce que je vais m'en fondre pour ça? Pourquoi tu viens me parler de ça alors? Est-ce que c'est normal? En tant qu'une grande blogueuse comme toi, tu as vu coach à mon chic ou Sonia répondre à Emmanuel qui est à répondre à les petits Nyamanyama blogueurs? Non! Tu ne sais pas ce qu'elle va te demander ce matin. Parce que moi, je n'étais jamais insulté, jamais partagé le direct. On va écouter. On va un peu écouter. On va écouter un peu ta fille, comment ta fille t'insultait. Je vais me poser la question, est-ce que moi j'étais insulté comme ça? Ben, tu dis que moi je suis cru. Pourquoi maman Pépé n'est pas. Dis-moi, je suis cru. Tu dis que moi je suis cru quand il fait des directs. Tu as regardé ma page depuis. Tu es dans ma page, tu regardes ma page. Non, on se, tout le monde se regarde. Hein. Tu vérifies ma page. Est-ce que depuis je fais encore les lives depuis? Je ne fais pas les lives. Sors-moi un live quand tu me dis que moi je suis cru dedans. Je suis cru comment? Ta fille qui est dans le noir là, je te sors les caricatures des gens qu'elle expose sur ses pages. Je te sors les caricatures des femmes. Comment elle a exposé ta yamseur d'aujourd'hui? Comment elle a exposé le cartement de ta yamseur d'où il y avait les urines au milieu? Elle mettait ça sur sa page qu'elle coupait les vidéos. Et tu me traites de manipulatrice, tu me traites de fausse, tu me traites de haineuse. J'ai fait quoi pour mériter tout ce que tu me fais aujourd'hui? Je ne comprends pas ce que. J'ai fait quoi que tu me traites de ce que tu me traites aujourd'hui? Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai vu ma petite life. Tu es en train de me conseiller que non, va travailler. Et ma mère, on t'a dit que ma mère a manqué quelque chose. Si les gens me donnaient le cadeau à ma mère, est-ce que je vais refuser? Je donne le peu que je peux donner à ma maman. Je donne le peu que moi, Nicole, je peux donner à ma maman. Je n'ai pas grand chose, je ne vends pas le rêve aux gens. Parce que moi, je ne vends pas le dongo en Europe. Je me suffis moi. La bici, viens, tu ça. Ben, c'est papa, ça m'appartient. Je m'assume. Je n'ai jamais dit que j'étais une fille riche. J'ai toujours dit que je suis pauvre. Je suis fière. La pauvreté n'est pas un péché. Même si je dors à l'église, est-ce que je dors en route? Qui a même dormi chez les gens en Europe? Je sors les directs où toi-même tu conseilles les gens qui dorment en Europe, chez les gens en Europe. Pourquoi aujourd'hui pour moi tu viens me dénigrer? Tu ne peux pas me dénigrer, maman. On va écouter ta fille, hein, parce que les gens vont écouter, parce qu'il y a des nouveaux gens qui arrivent. Je mets Facebook à témoin, les gens, tout le monde, nous allons écouter le remember de ta propre fille, comment elle te parlait. Parce que ce n'est pas moi qui parle, hein, c'est ta fille. Mettez les cœurs.
C'est ça qu'elle se passe. Tu dis que moi, je suis cru. Je veux savoir si moi, Nicole, un jour, j'ai mis ma caméra, tu parles comme ta propre fille au Cameroun avec qui tu es. Quand tu dis que maman Pépé, j'ai envoyé les audios à maman Pépé, et maman, tu commences à me dénigrer. Ou que ta fille qui t'a dénigré, en... heureusement que moi-même, parce que je suis, j'ai été bien élevée. J'ai envoyé les audios à maman Pépé en inbox. Parce que c'est ma mère. Je n'ai jamais venu sur Facebook. Je ne suis pas venu sur Facebook déposer ma caméra pour la reprendre. J'ai envoyé les audios, il a envoyé les audios pour parler à elle. Je n'ai pas mis la caméra pour l'insulter ou pour la dénigrer. Par contre, ta fille, avec qui tu es aujourd'hui, que tu embrasses, avait mis la caméra pour t'insulter, pour te dire tes vérités en mondovision. Mais tu es avec elle aujourd'hui, non? Pourquoi toi, aujourd'hui, tu veux m'exposer sur Facebook par rapport à mes audios? Tu ne comprends pas la haine que tu as envers moi. Je ne te dois rien, maman. Je ne te dois rien, je ne comprends pas. Je prends Facebook à témoin parce que tout le monde voit sur les réseaux sociaux. Les gens voient. Je prends Facebook à témoin. Je ne comprends pas ce que j'étais fait, maman. Je ne comprends pas. Parce que c'est que j'ai balancé. C'est que j'ai balancé les têtes de mort. Mais c'est toujours vous qui dites que ce n'est pas le buzz, non? Je viens faire comme c'est vous. Vous avez dit que ce n'est pas le buzz. Mais je fais. Je fais, on entre dans le game que vous voulez qu'on nous entende. On écoute, partagez le direct. Peur de personne. Écoutons. Ici, c'est la page des lionceaux. La jeune. C'est pas moi qui parle, c'est ta propre fille. Parce que mon combat avec toi, ce serait rude, ce serait long. Et c'est, il va sortir toutes les vidéos de ta fille qui parlait de toi. Parce que j'ai dit depuis, je suis une personne que je ne connais pas faire le mal à quelqu'un qui m'a tendu la main. J'ai toujours dit que je ne connais pas faire ça. Moi, quand elle est sortie, t'es remember. C'était juste pour blaguer. Mais j'ai compris avec toi que si je baisse la garde, tu veux finir avec moi. Tu ne comprends pas. Entre toi et moi, qui a pu faire le sale dans Facebook? C'est toi qui as fait le sale. Tu as détruit les familles des gens. Tu as humilié les gens sur la toile. Les vidéos sont là sur YouTube. Mais moi, j'ai dit que moi, j'animais juste la galerie. Mais j'ai compris. Hier, ton direct hier m'a scandalisé. J'ai eu froid au dos. Je me suis posé la question, qu'est-ce que j'étais fait? Jusqu'à tu parles, tu mens sur ma mère. Tu dis que tu vas sortir des audios pour finir avec moi, après on se sépare. Est-ce que toi et moi, on était amis? Jamais. On n'était jamais pas amis. Je vais discuter quoi avec toi? Quoi? Tu parles des audios. Que les partages ont monté. Pourquoi ne partage pas mes directs que je suis cru? Quand il fait des directs, je suis cru. Est-ce qu'il a exposé quelqu'un sur la toile, comme ta fille qui est dans le noir, qui expose le cartes, qui expose le cartement d'une femme qui a pissé sur sa page? Parce que vous avez fait la paix. Vous voulez retourner tout ça sur moi, que je suis une personne qui est haineuse, une personne qui est mauvaise, une personne qui est méchante. Je ne t'ai rien fait. Ça me fait même mal de faire ça, mais je suis obligée de le faire. Mais c'est ma réputation qui est en... Je suis venue appuyer, il faut que tu sors les audios de la troisième personne qui était... C'est les deux choses qui me font en sortir sur Facebook. Hein. Les audios de ma mère, tu as sorti les audios de ma mère depuis. Et maman Pépé est sortie, tu te regarderais. Mais c'est les deux choses qui me font sortir sur Facebook. Que tu as menti sur ma mère, que tu as donné 100 000 francs. Tu n'as jamais donné 100 000 à ma mère. Je mets Facebook à témoin, je te mets au défi, sors Orange Money ou mon écran. Tu mets. Et tu mets l'enregistrement de la troisième personne avec qui j'appelais. Quand je posais maman Pépé, il y avait la troisième personne qui m'enregistrait. Et quand tu dis dans ton direct que j'ai dit que tu as envoyé les audios de ma mère à ta Yamse, c'est vrai. Parce que j'avais dit à la dame avec qui j'étais hier. La dame est partie écouter dans le direct de Kento. Pipi avait dit ça dans son dans le direct de Kento. Donc, on va écouter le direct de ta fille, comment ta fille toi-même te parlait. Ben, c'est pas moi qui parle, c'est ta propre fille qui parle. Ben, quand tu dis que je suis cru. Mais quand tu veux m'exposer sur Facebook, c'est comme si moi j'étais insulté un jour.
Mais ta fille t'avait insulté, tu es avec ta fille aujourd'hui. Vous êtes ensemble, non? Tu l'appelles ta fille chou, tu l'invites même à manger. Pourquoi aujourd'hui, mes audios, tu veux interdire ma pépé? Tu veux interdire que ma pépé ou la TKC? Pourquoi tu veux me vendre la pépé? Moi, je n'ai jamais fait du mal.